رمضان رمضان Welcome home رمضان أهلا رمضان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Une adoration, une chose, une réalité que nous avons tous besoin. Le jeûneur a besoin de cette adoration. Celui qui n'est pas en jeûne, celui qui ne jeûne pas a besoin de cette adoration. On a besoin de cette adoration pendant dans le mois de Ramadan comme hors du mois de Ramadan. L'endetté a besoin de cette adoration. Celui qui a les soucis a besoin de cette adoration. Celui qui cherche une force matérielle ou immatérielle a besoin de cette adoration. Celui qui est coincé dans un problème a besoin de cette adoration. Cette adoration n'est autre que Al-Istighfar. Al-Istighfar, c'est un mot arabe. Ça veut dire demander à Allah de pardonner son péché, ses erreurs. Quand on fait une adoration, pour réparer l'adoration, on a besoin de Al-Istighfar. C'est la raison pour laquelle, quand on finit de prier, le premier zikr, après avoir dit Assalamu alaikum, c'est Astaghfirullah, 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 afin que Allah nous pardonne les erreurs que nous avons commises pendant la prière. Donc, le jeûneur a besoin de ça. Nous avons tous besoin de cette adoration dans le mois de Ramadan. Parce que, étant en jeûne, on peut dire ce qu'on ne doit pas dire. On peut regarder l'interdit, ce qu'on ne doit pas regarder. On peut faire l'interdit, ce qu'on ne doit pas faire. Comment réparer cela? Il faut multiplier al-istighfar, quelle que soit la formule. Rabbi gfirli ou bien Allahumma gfirli, astaghfirullah. En tout cas, il faut demander à Allah de pardonner ses péchés. Allah est pardonneur. Donc, on fait cela en retour, comme retombée. D'abord, on devient un élu d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Hud, à la fin de l'istighfar, Allah dit que lui, Allah, est proche et il répond. Donc, quand tu multiplies cette adoration, quand tu mets cette adoration en valeur, Allah te pardonne tes péchés, tu deviens proche d'Allah et Allah te donne ce que tu veux, Allah exauce tes vœux. Maintenant, secondo, les soucis que tu as, Allah dissipe tout cela. Allah te donne solution à tout problème. Même parmi les humains, quand tu demandes pardon à ton semblable, il te pardonne et il te fait un cadeau. Raison pour laquelle nous avons tous besoin de cette adoration dans nos bureaux, dans nos différentes activités. Étant au marché, étant dans son bureau, étant dans la cuisine, en marchant, en conduisant, on peut faire cette adoration. On n'a pas besoin d'efforts pour fournir cette adoration. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكور أحلى القوافي والنشيد